Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale en la compagnie de Chili parce qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour tester son intelligence. Donc, j'ai prévu plein de petits exos à réaliser du coup pour tester son intelligence de façon différente. Attendez, ces exos d'un site internet que je vous mettrai évidemment en lien dans la barre d'infos si vous aussi vous voulez tester l'intelligence de votre chat. Ça va tester l'intelligence de votre chat sous plusieurs aspects. Donc la capacité à être dressé et à réagir à des ordres simples, la mémoire, la compréhension des exercices, la capacité de sortir d'une situation inconfortable, etc. Voilà, donc bien sûr c'est pas un test vraiment pour tester son intelligence, hein, c'est vraiment juste pour s'amuser plus qu'autre chose, mais voilà, je pense que ça peut être rigolo. Ouais bah écoutez, moi je vous propose de commencer. On va appeler Chili pour lui dire que c'est l'heure de manger, comme on le fait d'habitude. Et on va voir s'il vient sous moins de 30 secondes, on va gagner 2 points. S'il vient dans la minute, ça sera 1 point. Et s'il ne vient pas, ben, ça sera 0 point. Bon là au moins c'est bien, c'est pas pénalisant, il n'y a pas de moins. Voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire je pense. Exceptionnellement, j'ai posé sa nourriture du coup sur le canapé pour voir s'il vient ou pas. Chili, viens, c'est l'heure de manger. Tu viens, c'est l'heure de manger. Viens, c'est l'heure de manger. Voilà. Bon, on va dire, ça faisait pas 30 secondes, je pense pas. Donc, une minute, ça lui fait un point. Je pense que là, on était dans les 1 minute. Après, je verrai au montage. J'afficherai les points de toute façon. Alors, deuxième exercice. Alors, on va recouvrir la tête de Chili avec une serviette. Et du coup, là, c'est sur le même principe. S'il s'en débarrasse en moins de 30 secondes, ça sera 3 points. S'il s'en débarrasse en moins de 2 minutes, ça sera 2 points. S'il essaie mais qu'il n'y arrive pas, il aura quand même un point. Et s'il n'essaie pas, bah, il n'y en aura pas. Voilà, 0 point. J'ai pas de serviette, du coup je vais lui mettre ça. C'est un espèce de coussin, mais c'est assez mou. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Oh, c'est pas du jeu, c'est tombé tout seul. Attendez. Bon bah il a enlevé. Voilà. Exercice d'après, on va cacher une friandise sous cette fameuse couverture, enfin, ou torchon, ce que vous voulez. Comme il est énervé, là, j'ai peur qu'il me grippe, donc je fais très attention. Bref, voilà. Ok, donc finalement, comme il a l'air décidé avec les petites friandises que je lui ai prises, je vais cacher celle-ci sous un espèce de coussin. Et on va voir s'il la trouve. Chili ? Alors, pousse-toi, s'il te plaît. Pousse, 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 pousse. Allez, regarde, Chili ? Elle est là, regarde. Elle est ici. Ouh. Tu la veux? Elle est juste là. Juste ici. Elle est en dessous. Elle est juste là. Bon, je l'ai un peu aidée, hein, mais... Allez, trouve-la. Oui, c'est bien mon chat, c'est bien, bien joué. Il n'y en a plus. Je cherche encore s'il n'y en a pas d'autres. Chili. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux gobelets et en fait on va cacher une friandise sous l'un des gobelets et du coup s'il touche le gobelet avec son museau ou avec sa patte, ça veut dire qu'il faut retourner le gobelet et qui sait dans quel gobelet est la friandise. Et donc c'est ça qui va lui donner en fait plus ou moins de points. Comme ça, on verra s'il est intelligent ou pas. Oh là là. J'ai pris des petites friandises et du coup comme gobelet, ça en fait c'est des anciens pots de verrine, enfin bref c'est transparent. Mais bon, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai mis une toute petite table ici. Attendez. Ici pour qu'on puisse voir du coup comment ça se passe et du coup je vais mettre des friandises. Alors, attends, attends, hop là, donc c'est dans quel verre? Viens, tiens. Désolée, vous le voyez pas bien vous du coup comme il est tourné. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors regarde la friandise. Non, attends, tricheur. Alors, t'es sûr c'est celle-ci? T'es sûr? Celle-là? Oui, tiens. C'est bien Chili.
C'est bien, t'es un bon chat. En fait, on a installé le truc du canapé tout à l'heure et comme il y a plein de petits bouts qui pendent, bah, il adore ça et il chasse. Du coup, je sais pas si c'est le meilleur moment. Non mais regardez-moi celui-là, comment il est énervé là, c'est du n'importe quoi. Les yeux rouges et tout. Chili. Allez, viens. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui lancer un jouet et on va voir s'il le ramène. À savoir, Chili n'a jamais ramené un jouet de sa vie. Il le chope, il joue avec, mais il vous le ramène pas. Donc, il n'aura pas 3 points. Au mieux, il en aura un, du coup. Après, donc moi, j'ai cette petite balle. Chili. C'est la caméra. Tu la ramènes? Rapporte. Rapporte la balle. Et ben au moins il a un point, c'est déjà ça. Petit mot de fin pour tes copains chats? Non! Alors j'ai pas réellement compté du coup ces points. J'espère que cette petite vidéo avec Chili vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Prenez soin de vous!